Donc, les métiers de Kantar Media, nous avons quatre grandes expertises. La première expertise, c'est la mesure d'audience qu'on réalise dans de nombreux pays. La deuxième expertise, c'est la mesure de la pression publicitaire, la veille des créations publicitaires ou des outils de media planning, donc tout ce qui tourne autour de la publicité. Notre troisième point fort, c'est la mesure de la réputation des marques, où on suit l'ensemble des médias pour délivrer des revues de presse ou toutes les retombées presse d'une marque, d'une personne, sur certains thèmes. Donc la quatrième expertise, c'est Consumer Intelligence, où on va combiner, on va interroger des panélistes et on va combiner leur consommation d'achat avec leur consommation média pour sortir une étude tous les 6 mois sur ces différents aspects. Et notre nouvelle approche que l'on a mis en place au 1er janvier 2018, c'est une approche où le client est au cœur de notre stratégie. C'est-à-dire que jusqu'au préalable, un client pouvait avoir plusieurs contacts chez Kantar Media, mais à partir du 1er janvier, un client n'aura plus qu'un seul contact chez Kantar Media qui sera en mesure d'adresser l'ensemble de nos expertises pour être plus proche du client, pour mieux répondre à ses besoins et pour pouvoir développer les études avec ce client. Deuxième point très fort dans cette nouvelle stratégie, c'est la connexion de nos données. Donc on a une richesse d'informations qui est incroyable chez Kantar Media. Et l'objectif de cette nouvelle stratégie, c'est de croiser, d'interconnecter l'ensemble de ces informations qui prend tout son sens dès qu'on parle du digital. Aujourd'hui, il n'y a plus un plan média qui est fait sans l'utilisation du média mobile. Donc on se doit, nous, en tant que Kantar Media, de suivre ce média, ce device, pour collecter, si je prends l'exemple de la publicité, l'ensemble de la publicité qui est publiée sur les différentes applications, sur les web mobiles, sur l'ensemble des dispositifs que l'on peut retrouver sur le mobile. Donc si je prends l'exemple de Google, par exemple, avec son moteur de recherche, c'est vrai que c'est très très simple d'utiliser le mobile pour rechercher une information. D'ailleurs, c'est l'opportunité pour moi de vous dire qu'en fait, nous avons une offre aujourd'hui de mesure de ce qu'on appelle le paid search, qui était disponible chez Kantar Media depuis des années sur la partie PC fixe. Et en fait, en 2018, je suis très heureux de vous annoncer qu'on va pouvoir mesurer l'ensemble du paid search sur la partie mobile. Et ce sera disponible dans nos outils avant la fin de l'année 2018. Aujourd'hui, avec les technologies, il y a de plus en plus de moyens de communiquer. Donc, tous ces leviers de communication sont de plus en plus importants. Et c'est vrai que cela entraîne, pour Kantar Media, pour être exhaustif sur le suivi de nos investissements publicitaires ou de voir toutes les créations publicitaires, si on fait un focus sur la publicité, d'investir énormément sur ces aspects qui sont de plus en plus variés, où la technologie permet de faire des choses de plus en plus importantes.